Bonjour, donc aujourd'hui nous allons préparer une recette de biscuits. C'est des biscuits secs aux œufs et au sucre. Donc pour cette recette, nous avons besoin, je prends comme verre doseur un verre à thé, donc un verre et un demi de l'huile, deux verres de sucre, quatre œufs, de levure chimique, deux sucres vanillés et la farine, on verra quelle quantité on va utiliser. Donc, on va commencer par mettre les œufs dans le saladier. Je garde l'eau jaune à côté juste pour la dorure. Ce sera pour tout à l'heure. Donc, je mets les œufs. Donc, je rajoute le sucre. Je mélange. Je rajoute l'huile. La levure. On mélange. Le sucre vanillé. Je mets deux sachets. Là, on va commencer à rajouter la farine petit à petit. On rajoute, on mélange pour voir la consistance. On a besoin d'une pâte qu'on puisse ramasser en boule pour former les biscuits. On rajoute, on mélange. Toujours pareil. Là, la pâte, elle commence à bien se ramasser. Du coup, on va faire à la main. Pareil, je rajoute la farine. Je mélange avec les mains cette fois-ci. Donc voilà, on obtient une belle boule de pâte. On va pouvoir maintenant former nos biscuits. Donc sur un plan fariné, j'étale ma pâte.
pas trop fine et pas trop grosse non plus. J'étale avec un rouleau, c'est beaucoup plus pratique. Et je découpe des formes avec un emporte-pièce. Vous voyez l'épaisseur, c'est pas très gros. Donc quand on a fini de faire toutes les formes, on met sur une plaque de papier sulfurisé et on procède pareil avec toute la pâte. Maintenant, je vais badigeonner mes biscuits avec du jaune d'œuf. Je saupoudre également de sucre. Après, vous pouvez laisser tel quel ou décorer avec des petits Smarties, des petites perles ou qu'est-ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé vraiment, si vous le laissez comme ça, c'est très bien. Moi, je fais comme ça pour les enfants, ils aiment bien. Vraiment, c'est comme vous voulez. Vous enfournez à 200 degrés et le temps, ben, vous voyez quand les biscuits sont dorés, vous pourrez les retirer.